Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'ouverture du trail, cette course nature, cette course de plein air qui permet à tout le monde d'expérimenter, de participer ou de découvrir un territoire unique de l'intérieur de la Bretagne jusqu'à la pointe de la Bretagne. Le canal Terre de Trail, c'est aussi plus de 100 parcours à découvrir sur cette partie du canal de l'Antabresse, la partie finistérienne et en partie sur les côtes d'Armor et le côté costamoricain. Mais c'est aussi 1500 km de sentiers, de ribines, de halage, de contre-halage, de roches, de feu, d'eau et de pluie, de soleil. C'est aussi le vent, la pluie, mais également le sourire et le bien-être. Canal Terre de Bretagne, la possibilité de parcourir la Bretagne et le Finistère seul, en famille, sur nos parcours sélectionnés pour leur beauté, pour l'intérêt territorial, pour l'intérêt du petit patrimoine, la découverte. Ils sont donc sélectionnés par notre équipe du SMATA. Canal Terre de Trail, c'est également l'identité du canal de l'Antabrest sur sa partie finistérienne et une partie des côtes d'Armor et costamoricaines. C'est également une course, bien évidemment, à pied dans toute sa dimension. Canal Terre de Trail, ce sont donc les 100 circuits balisés avec leurs hébergements. Le trail, ce sont aussi des boucles de randonnée, bien évidemment divisées et sélectionnées sous forme de 3 catégories qui passent du vert au bleu et au rouge en fonction de leur difficulté et en fonction de leur longueur. Le vert qui part jusqu'à 10 km pour aller au rouge jusqu'à plus de 20 km. Ces circuits peuvent contenir des chemins de halage, de contre-halage, je l'ai dit tout à l'heure, du sentier, du sous-bois, de la route et des passages d'ouvrage. Canal de Trail, c'est également une page dédiée par le site internet et via les sites internet du SMATA, je le rappelle, syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Yerre. Première étape, je prends connaissance du projet sur www.smata.fr. Deuxième étape, je me connecte sur la plateforme dédiée et je crée mon compte. Troisième étape, je recherche par mots-clés SMATA, canal Terre de Trail, nom de la commune. Quatrième étape, je télécharge le tracé et le descriptif du circuit ou je me l'imprime si c'est nécessaire. Le SMATA 2018, c'est Canal Terre de Trail. Et hop, je trace.